Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va préparer une recette très facile à réaliser, comme d'habitude. C'est un tagine au poireau. Je vous laisse avec moi suivre la vidéo. Alors on commence par couper les poireaux, ensuite les laver. J'ai commencé par mettre un peu de l'huile, à peu près une cuillère à soupe. Ensuite, j'ai rajouté les poireaux coupés. J'ai rajouté un peu de sel. Ensuite, il faut couvrir. On mélange un peu. Ensuite, j'ai rajouté deux tomates coupées. On les laisse revenir un petit peu. Ensuite, j'ai rajouté une cuillère, une petite cuillère à café de sauce tomate. Et hop, on mélange. Pour les épices, on aura besoin un peu de poivre. On aura besoin d'une petite cuillère à café de paprika. On aura besoin un peu de curcuma. On aura besoin demi-cuillère à café de gingembre. Ensuite, on mélange. J'ai rajouté une pomme de terre coupée. Après, ça reste à votre choix. Vous pouvez le faire sans pomme de terre. Moi, j'ai préféré rajouter des pommes de terre. Après, les pommes de terre, ça se marie bien avec les poireaux. Alors pour la cuisson, c'est 10 minutes. Là, je vérifie les pommes de terre, elles sont cuites. Après 10 minutes, j'ai rajouté des œufs. Vous pouvez bien le manger sans rajouter des œufs si vous voulez. Après, ça reste à votre choix aussi. Vous pouvez bien le manger, le tagine végétarien, sans œuf. Là, moi, j'ai rajouté des œufs avec. Après, vous le faites comme vous voulez. J'ai rajouté un peu de poivre dessus.
Et maintenant, j'arrive à la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer ma recette et vous allez l'aimer. N'oubliez pas de mettre like à mes vidéos et la partager avec les amis. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.